Yo les frérots, c'est NTX, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour la première vidéo concernant FIFA 23, comme vous le savez, le nouveau trailer officiel du jeu qui sortira le 30 septembre prochain est sorti hier sur un trailer de 2 minutes à peu près. Donc dans cette vidéo, on va analyser le trailer ensemble, on parlera également des nouveautés, je vais vous donner aussi mon avis sur ces nouveautés de FIFA 23. N'hésitez pas, vous également, à me donner votre avis dans l'espace commentaire concernant les nouveautés de FIFA 23. Est-ce que le jeu va vous plaire ou est-ce que le jeu vous plaira pas, hein? J'avais mis également un sondage sur la chaîne. J'ai pas été revoir au moment où je tourne cette vidéo de savoir s'il y a eu beaucoup de votes ou pas. En tout cas, merci à vous d'avoir voté sur ce sondage. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Donc, on va commencer par analyser le trailer. Donc on voit l'édition Ultimate de FIFA 23 hein, avec Kylian Mbappé et Sam Kerr, du coup la joueuse de Chelsea. Donc ça veut déjà dire qu'il y a déjà une nouveauté concernant les équipes féminines dans ce jeu. Bienvenue dans le The World's Game, le jeu universel. Découvrez la technologie Hypermotion 2, les clubs féminins, les coupes du monde de la FIFA féminines et masculines, les fonctions universelles et bien plus encore. Donc voilà, il y aura des nouveautés concernant le gameplay, concernant l'acrogène courant du mois de juillet, un petit peu avant la fin du mois. Donc là, on va avoir des petites nouveautés, mais on en saura plus encore pour des détails à partir des mois à venir. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description du site auquel je suis, où il y a les nouveautés. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les nouveautés carrière, le mode fut, etc. Vraiment plus en détail. Alors, on va regarder la bande d'annonce. J'espère vraiment que ça va pas bugger, parce qu'avec ma connexion, c'est des fois un peu compliqué. Donc, si ça lague un peu, veuillez m'en excuser. De toute façon, la bande d'annonce, vous pouvez la retrouver sur le site, voire même sur la chaîne YouTube d'eSports. Donc, on va regarder le trailer, on va l'analyser ensemble, en espérant que ça bug pas trop, et je vous donne mon avis juste après. To the FIFA 23 reveal trailer. I'm Derek Ray, and alongside me is Stuart Robson. Thanks, Derek. Well, you can really feel the sense of anticipation as the players warm up for their big moment on the world stage. And away we go. It comes to Sam Kerr leading the Chelsea attack. Donc l'Hypermotion 2 Technology, donc il va avoir un nouveau système de déplacement des joueurs, de frappe, etc. Ça va être intéressant. L'équipe du Paris Saint-Germain féminine. Féminine va être mis en avant ce jeu. They say it's a game of two halves, and you can really feel the intensity building here. Oh, he's mastered that one over the summer. Safe hands there. It's incredible calmness under pressure. En espérant des meilleurs gardiens, mon frère. En espérant. Well, that's new. Absolutely brilliant technique, and it feels like there's more goals coming in this one. Oh, silky from Vinicius. Ah, des nouveaux gestes techniques, donc ça, ça va être très intéressant. La Coupe du Monde, les frérots, qui sera dans le jeu. La Coupe du Monde des filles, sympathique. Deux Coupes du Monde, hein, donc comme c'était annoncé là à l'instant, quand on a vu un petit peu l'enquête des nouveautés. Sam Kerr, hein, donc celle qui sera sur la jetée, c'est Kylian Mbappé. Pour l'édition Ultimate, hein, pour l'édition standard, vous aurez juste Mbappé. Voilà, Kylian Mbappé qui sera le meilleur joueur du jeu. Hein. Ce sera vraiment le crack du jeu. C'est incroyable. Alors, il y a quand même pas mal de choses. En 2 minutes, il y a quand même vraiment pas mal de choses intéressantes. Alors, attendez, je baisse juste la caméra pour qu'on puisse rebasculer. Du coup, de l'autre côté, alors le trailer, voilà, le trailer dure 2 minutes, voilà, faut pas s'enflammer, hein, parce qu'on sait qu'avec un trailer, ils peuvent nous vendre du rêve, et après, le jeu, il peut être dégueulasse.
Mais en tout cas, ce qu'on a pu voir dans ce trailer déjà, c'est qu'il y aura un nouveau duo de commentateurs et ça, tout le monde l'attendait. Je pense que la communauté FIFA a pu se faire entendre hein, pour certains, ceux qui sont vraiment très très hauts. On aura du Benjamin Da Silva et du Omar Da Fonseca qui seront les commentateurs officiels de FIFA 23. Alors ça, ça fait plaisir parce que moi, Hervé Matou, bon là tout seul, c'était saoulant. Hervé Matou, Pierre Ménès. Voilà, ça fait des années, des décennies qu'ils sont sur FIFA. Je pense que là, Hervé Matou, à un moment donné, merci pour tout ce que tu as fait. Il faut passer la main. Et là, on sera dans l'ambiance Beansport, les gars. Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, comme quand il va y avoir des classicos. En tout cas, avec ces deux commentateurs-là, ça va être vraiment énorme. Donc ça, c'est vraiment déjà un point qui me hype énormément. Donc voilà, on a vu Sam Kerr, Kylian Mbappé, donc qui sont vraiment mis en avant sur le jeu. Donc on aura la Hypermotion Technology version numéro 2 avec davantage d'animations plus réalistes que jamais. Donc ça, on en saura plus à partir du 27 juillet. Donc on a vu des petites animations autour des stades, etc. Alors ça, c'est vraiment beau parce que si tu as déjà une immersion déjà aux abords du stade quand il y a des gros matchs, etc. Donc ça, vous voyez, ça, c'est des petits trucs qui me plaisent énormément. Voilà, moi, quand je rage sur FIFA, c'est vraiment sur des points particuliers. Mais ça, vraiment, j'ai hâte de voir ce qui en est et ce qu'il va vraiment avoir au niveau des animations. Parce que là, on a vu qu'il y avait des animations. Il y avait un cortège des supporters du Real. Il y avait des animations avec des supporters du PSG. Il y avait des animations autour du stade de Manchester City. Donc, s'ils font ça vraiment en animation avec pas mal de stades, alors je ne sais pas si ça sera vraiment les grosses équipes européennes. Mais en tout cas, s'il y a déjà des animations genre au bord de l'Orange Vélodrome, enfin vous voyez déjà, ça peut être vraiment énorme. Donc ça, nouveau système de moteur avec l'Hypermotion Technology version 2. Donc voilà, avec de nouveaux systèmes de tacles, d'interception, de physique avec les joueurs, avec aussi quand tu cours, etc. Donc à voir en manette en main ce que ça va donner, parce que là sur un trailer, c'est un peu compliqué à analyser. On aura également les deux Coupes du Monde. On aura la Coupe du Monde au Qatar pour les masculins et on aura la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en Nouvelle-Zélande et en Australie. Donc on aura une saison de FIFA avec deux Coupes du Monde de la FIFA. Donc ça fait plaisir. On aura l'arrivée également des clubs féminins. Donc il y aura la D1 Arkema, également le championnat féminin des clubs français qui seront dans FIFA 23. Donc ça sera vraiment... C'est un kiff parce que voilà, on a déjà pu voir les filles se mettre en avant sur les précédents FIFA avec les sélections nationales. Voilà, il y a mon frérot qui a fait une coupe internationale féminine. Voilà, jouer avec des filles, même si c'est peut-être pas ce que tout le monde aimerait faire, mais voilà, que les filles soient mises en avant sur le jeu, c'est quand même vraiment très sympa. Déjà qu'on l'a eu avec auparavant avec les féminines. Donc jouer pour la première fois dans l'histoire d'e-sport FIFA avec des clubs féminins, avec l'arrivée de la Barclays FA Women's Super League et de la Division 1 Arkema dès la sortie de FIFA 23. De plus, profiter des captures de mouvement Hypermotion 2 sur la plateforme de nouvelle génération qui viennent dynamiser le football féminin dans FIFA 23. Plus d'informations à venir pendant l'été. Vivez l'apogée du football international avec la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar et la Coupe du Monde féminine Australie en Nouvelle-Zélande 2023, disponible dans FIFA 23 en tant que mise à jour de contenu d'après le lancement sans frais supplémentaires. Donc ça sera une mise à jour DLC. De plus amples détails vous seront communiqués à l'approche de chaque compétition. Donc voilà, les féminins qu'on pourra jouer dans FIFA 23, on aura deux Coupes du Monde, donc ça va être vraiment incroyable de faire ces contenus-là. Donc franchement, là, c'est vraiment tout simplement incroyable. La fonction crossplay, donc dans FIFA 23, ce qui vous attend dans FIFA 23, donc vous aurez les nouvelles fonctionnalités. Là, c'est au niveau des zéros FUT. Hein, pour tous ceux qui jouent à FUT, vous pouvez également commander FIFA 23. Donc voilà, et je crois que là, on arrive en bas de la liste, à part si on fait les nouveautés, peut-être nouvelles fonctionnalités, Hypermotion 2. Donc ça sera le 27 juillet. Hein, donc pour l'instant, on n'en saura pas plus. La fonction du crossplay, alors je crois que le crossplay, c'était sur différentes plateformes. Donc on pouvait jouer avec... les nouvelles générations pour des matchs en ligne, des saisons en ligne, je crois, c'était comme ça. Par contre, pour tout ce qui est compétition, FUT champion, etc., voilà, ça sera pas cross-plateforme, on pourra pas faire un FUT champion quand un mec qui joue sur PC. Voilà, il y a que vraiment PC qui joueront ensemble, mais en tout cas, on pourra pas jouer avec tout le monde. En tout cas, voilà, j'ai pas encore regardé plus d'infos là, parce que moi, le crossplay, je l'ai essayé.
essayé. Et je trouvais que des fois, qu'il y avait énormément de bugs. Après, voilà, c'est que mon avis. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un trailer très intéressant. Après, comme je vous ai dit, à ne pas s'enflammer. C'est seulement 2 minutes à voir vraiment prochainement ce que ça donnera concernant les autres infos qu'on va nous communiquer avec la Hypermotion 2, etc. Mais en tout cas, voilà, déjà, des choses positives, de nouvelles animations. Il y aura des nouvelles captures au niveau des stades aussi, un petit peu comme dans la réalité. Voilà, on voit que EA ont vraiment travaillé pour faire un bon jeu. De toute façon, comme vous le savez, c'est la dernière édition FIFA 23 avec EA, parce que la séparation aura lieu à partir de la saison prochaine. Mais en tout cas, voilà, sur le trailer, j'ai bien aimé. Il y a quand même pas mal de choses qui m'ont énormément plu. Il y aura un nouveau système aussi avec la nouvelle Hypermotion Technology 2. Donc, à voir en tout cas, manette en main. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus pour l'instant. À voir quand le jeu va sortir, en espérant que voilà, il n'y ait pas trop de mise à jour, que ça soit vraiment un beau gameplay. En tout cas, voilà, il y aura vraiment de belles choses à venir concernant FIFA 23. Donc là, on en saura plus prochainement avec le détail de la Hypermotion 2 technologie ou pas. Donc voilà, si je peux vous faire une vidéo, je vous en ferai. Mais en tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ces nouveautés concernant FIFA 23. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien. Comme ça, pour tout ce qui est détail de carrière manager, etc., voilà, je vais pas vous en parler là en vidéo. Je vais vous laisser regarder tout ça tranquillement. Voilà, il y a des nouveautés avec les nouveaux coachs. Tu pourras vraiment prendre les coachs respectifs aussi en carrière manager. Ça, c'est ce que j'ai vu. Donc, je peux vous l'annoncer en vidéo. Et après, tous les autres détails, je vous inviterai à aller regarder le lien directement d'IE.com. Voilà les frérots, concernant cette première vidéo de FIFA 23 sur la chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la partager et d'analyser ce trailer de FIFA 23 ensemble. Et puis maintenant, bon, on n'a plus qu'à attendre de voir ce que ça va donner à partir de ce nouvel opus le 30 septembre, parce que bon, moi, je vais prendre l'édition standard, donc je pense que j'aurai le 30. Après, tous ceux qui vont prendre l'édition avec l'EA Play, l'édition Ultimate, etc., peut-être que vous pourrez jouer à partir du 27, soit 3 jours avant la sortie officielle. Mais bon, même des fois, ils disent le 30 septembre et tu peux l'avoir le 28, voire le 29. Donc, en tout cas, moi, je prendrai l'édition standard. En tout cas, pour ma part, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et puis, prenez bien soin de vous. C'était NTX. Ciao, ciao tout le monde.